Bon bah bonsoir tout le monde, moi aussi je suis super ravi d'être devant vous, même si je ne vous vois pas avec la lumière, c'est pas grave. Ce soir, je vais parler architecture. Alors je vous promets, on ne va pas faire un truc trop de fou, mais quand même, ça va un petit peu reparler de tout ce que j'ai pu croiser autour de ma carrière, hein. J'ai fait quelques années maintenant, sur un petit peu l'architecture des applis PHP que j'ai croisées et que j'ai pu contribuer, à laquelle j'ai pu contribuer. Il n'y a toujours pas de solution magique, donc prenez pas pour argent comptant là, ce que je vais vous dire pour tous vos projets. Là, on parle de grosse architecture métier. Donc, si vous avez des petits projets perso, pas besoin d'appliquer ça à la lettre. Je vais essayer de faire simple et concis, parce que je l'ai promis à Jean-Jacques. Promis. Donc, on va parler monolithe modulaire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce mot? Monolithe modulaire. Ouais, vite fait. Ben, Julien, merci, je le savais. C'est un pseudo nouveau concept comme partout dans le web, parce que forcément, attends, même ce matin, attendez, les joies du direct, quand même. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est pas vraiment nouveau parce que dans le web, on aime bien se perdre des fois, se dire ouais, on va essayer de faire des trucs. Et en fait, ça avait déjà été fait par nos ancêtres développeurs, hein, parce que les développeurs, ils sont pas nés avec le web. Donc, typiquement ça. Donc, je vais faire un petit peu d'histoire pour essayer de vous montrer un peu le problème que j'ai pu croiser au cours de ces longues années. Le premier constat, c'est que nous, les devs, on aime bien les choses carrées, structurées. On a un besoin d'organisation et ça passe par nos structures de dossiers. Les dossiers, on aime bien. C'est carré, c'est nickel. Même dans tous les langages, c'est comme ça. En fait, vous reprenez Stack Overflow, des conversations sur des structures de dossiers, vous n'en avez pas qu'en PHP, en Java, en Python, peu importe. Merci. Même en Symfony, quand ils ont changé la structure de dossier, il y a eu de grandes discussions, ça passionne les foules. Quand un dev se lance en DDD, la première question, c'est: et quelle architecture de dossier vous utilisez? Et il se lance en CQRS après et il demande où je mets mes commandes. Ça stresse un petit peu les gens. Alors qu'en fait, à la fin, c'est souvent un détail. Du coup, moi, j'ai commencé, peut-être comme beaucoup d'entre vous, à peu près, je pense, niveau tranche d'âge, avec un pattern qu'on nous a vendu en mode ça claque, MVC. MVC, c'est pas un peu la plus grosse arnaque du web. On nous vend ça depuis des années. Donc, alors je grossis très bien sûr, c'est cool. Pour ceux qui n'auraient pas le terme, hein, MVC, modèle vue contrôle, on sépare les templates du modèle et on met un petit truc en milieu qui s'appelle les contrôleurs. Donc, si on fait un schéma, concrètement, les vues, ça fait ça, cette taille-là, et on met tout le reste dans le modèle. Ouais, ok. Et au milieu, on met tout le reste dans le modèle. Ok. Donc du coup, la question c'est, mais comment on structure à l'intérieur? Très bien. Et comme tout pattern qui marche et qui le fait grave, souvent, derrière, il y a des frameworks qui sont dit, on est des frameworks MVC. Ok. Donc ils ont posé un cadre autour. Ok. Mais à la fin, on était toujours tout seul devant notre slash src. Parce qu'il fallait bien commencer à produire du code. Donc, je ne dis pas que c'est au framework de nous amener vers le slash src, de nous donner un cadre trop contraignant. Tant mieux qu'il nous laisse faire. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas nous aider un petit peu quand même, qu'on ne se pose pas trop de questions? On a déjà assez de questions à se poser. Alors, du coup, j'ai pris l'exemple de Symfony. Par exemple, comment Symfony a essayé de nous aider, nous orienter? Donc, il y en a peut-être qui ont fait du Symfony 1. Ah. Donc, tout le monde se rappelle des fameux plugins. Malheureusement. C'était quand même une super idée à la base, mais forcément c'était la première version, donc ça souffrait un petit peu de péché de jeunesse. Symfony 2 est arrivé finalement assez rapidement, a corrigé le tir avec les bundles. Super idée les bundles. Ça a vraiment tout changé vraiment dans la conception, à tel point qu'on a fait des bundles partout. Pour tout. Pour tout, pour tout. Et du coup on s'est retrouvé avec des archis qui commençaient à ressembler un petit peu à ça. Donc on avait des bundles, ça nous rassurait, on avait des structures, on avait nos bundles bien carrés au milieu, et tout le monde s'appelait.
Ouais, moi j'ai un, y a un truc dans ce bundle-là, j'en ai besoin, hop, je le prends. Et c'est là où a grandi cette peur du changement. On s'est retrouvé dans des applis de plus en plus grosses parce qu'avec l'arrivée de Symfony 2, on a eu l'occasion de développer de plus en plus de grosses applications métiers. Et forcément, peur du changement, c'est compliqué parce que pour sortir du changement, de la peur du changement, il faut changer. Et comme on a peur de changement, enfin, vous voyez quoi, cyclic dependency, tout ça, tout ça. Donc ça a été le plus gros problème de. C'est encore d'ailleurs un problème actuellement. Il y a encore des gens qui sont dans, qui en sont là. Le problème venait peut-être des bundles, mais peut-être des devs aussi, hein, à voir. Du coup, Symfony, ils ont fait un, ils ont bien vu le problème. Hein. Les bundles, c'était une super idée pour étendre une application, de manière assez isolée en fait. On peut les enlever, les remettre, et pas que ce soit un gros plat spaghetti. Donc, comme ils ont vu tout ça, Symfony, ils ont dit, OK, je parle sous le couvert de Nicolas, hein. Arrêtons tout. Maintenant, vous allez tout mettre dans App Bundle. OK? Et je mets tout dans App Bundle. Ça ne l'a pas trop fait, donc on a commencé à essayer de faire des bundles un petit peu plus structurés, un petit peu plus isolés, mais ça ne le faisait toujours pas. Et donc Symfony 4 a été game breaker là-dessus. Ils ont dit, OK, on arrête tous les bundles. Arrêtez les bundles, c'est mis dans la doc. Les bundles, ça suffit, c'est pas fait pour ça. Et effectivement, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour structurer votre code métier à vous. C'est fait pour étendre le bundle, une fonctionnalité beaucoup plus horizontale, mais certainement pas pour structurer votre code métier, puisque dans un bundle, vous avez aussi du code Symfony. Vous avez votre code à vous, c'est pas fait pour ça. Ok, on a bien compris. Sauf que pendant ce temps-là, pendant qu'on était en train de se galérer avec nos bundles, il y a un autre courant d'architecture qui est arrivé, les fameux microservices. Parce qu'en fait, à force d'avoir ce genre d'architecture, comme je vous ai montré avec le schéma, on a fini par croire que c'était impossible de structurer un monolithe de cette taille-là. C'est dit, c'est juste pas possible, regardez. La preuve, ce n'est pas possible. Du coup, les microservices, c'était sexy, puisque c'était enfin la promesse d'une architecture bien découpée. C'est le cas. Franchement, il n'y a pas de souci. Les microservices, c'est bien découpé. OK, on peut lui accorder ça. Mais ça vient avec plein d'autres problèmes. Des gros problèmes. À commencer par les joies du réseau. La plus grosse contrainte, c'est qu'en fait, avoir un code isolé, séparé par du réseau, c'est bien, le code est isolé, mais il y a du réseau. Et vous venez avec tous les problèmes autour, distributivité, résilience et le réseau. Et le pire dans les microservices, c'est qu'en fait, quand vous démarrez un projet, vous ne bénéficiez même pas des deux avantages des microservices, la mise à l'échelle, le scaling, le fameux scaling, et j'ai oublié, et bien sûr, oui. Et l'unité de déploiement, bien sûr, la déployabilité d'une partie de votre application. En fait, quand vous commencez un projet, vous devrez avoir qu'une seule envie, c'est de découvrir le métier, c'est de tester, c'est d'essayer de voir la problématique que vous essayez de corriger, à laquelle vous essayez de répondre. C'est de réduire votre boucle de feedback, aka la vraie agilité, pas du Scrum ou je sais pas trop quoi. C'est juste se dire, OK, bah justement, je veux définir les frontières de mes modules, de mes bounded contexte. Parce que c'est là où vous devriez passer plus de temps. Alors que si vous partez sur vos microservices, vous allez passer beaucoup plus de temps à jouer avec Docker et avec le réseau qu'à faire vraiment ce qui est sympa en fait à la base. Ou alors vous pouvez faire juste du Docker, mais faites ça tout le temps. Et faites pas dev. Le souci qu'on a avec les microservices, c'est que du coup, quand on itère beaucoup au début, on a besoin de refactorer souvent. Et quand vous avez un code là, un code là, un code là, un code là, faire du refactoring global, c'est vachement moins simple en fait. Donc, OK. On a d'un côté la liberté et un beau bordel, et de l'autre côté, on a une contrainte, mais organisée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu en fait là-dessus? Ben, finalement, la contrainte qui marche en microservice, c'est de se mettre justement une contrainte physique du réseau entre nos modules. Et si on en mettait une plus locale, plus simple? Et si on mettait juste nos modules dans des dossiers, séparés? Et on se dit, entre nous, une règle, une seule règle, aucun appel à une classe d'un autre module depuis un module.
simple, basique. Ouais, j'en vois qui sourit, bah bien sûr. Trop vite. C'est super facile à transgresser du coup. Vous allez me dire le premier petit malin qui veut se dire, ok, moi je veux utiliser quand même, personne ne va me voir. Discrètement, j'utilise mon petit value object de mon objet catalogue, de mon module catalogue, je le mets dans mon basket. Ni vu ni connu. Et oui. Et en plus, il n'y a rien en PHP de base qui permet de résoudre cette problématique. Heureusement, il y a des gens qui bossent, en l'occurrence SensuLabs, la branche allemande, qui a fait un outil top, super simple. Est-ce qu'il y en a qui connaissent DepTrack? C'est génial parce qu'en fait, ça fait une seule chose et ça le fait bien, même si c'est des fichiers de configuration en YAML. Ça permet juste de donner des règles d'utilisation de fichiers PHP. Rien que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, là, je définis simplement, donc en fait, ça marche par layer. Vous avez une config. Alors, cherchez pas à comprendre exactement le code. Hein, si vous voulez voir à quoi ressemble DepTrack, il y a plus d'explications sur le repo, mais je vous donne un exemple. Donc là, j'ai défini trois layers, paiement, basket et catalogue. Et du coup, je leur dis que tout ce qu'il y a, le namespace paiement, c'est dans paiement, basket dans basket, catalogue dans catalogue. OK. Et lui, de base, là, si vous lancez l'outil, il vous dit, tu peux pas, si tu mets basket dans paiement, il te dit non, ça passe pas. N'insiste pas, ça passe pas. Si vous voulez faire mieux, des règles vraiment d'inclusion, vous avez un rule set qui permet de faire un petit peu plus loin. Mais nous, c'est exactement ce qu'on veut. On vient de se dire, aucun appel externe depuis notre module. Donc si je le mets dans ma CI, c'est réglé. Plus personne peut faire d'appel externe à mon module. Bon, ok. Une fois qu'on s'est dit ça, on va faire une application web quand même. On veut se parler. Ok. Donc là, l'objectif, c'est de contrôler nos ouvertures maintenant. C'est de se dire, ok, on a fermé toutes les portes, et maintenant, les portes qui s'ouvrent, on garde un œil dessus. Comment on ferait? Comment on fait? En fait, c'est tout bête. Il suffit de faire comme on fait toutes les ouvertures, même avec un ensemble de classes PHP. On va contractualiser, pardon, nos besoins d'ouverture. C'est l'instant schéma. Donc, on va ouvrir nos modules. Comment? Ben, c'est tout simple. On va prendre un grand rectangle qui va être notre module et on va lui mettre une couche, peu importe la couche, peu importe. Donc, les petits rectangles, c'est des classes. Hein. Ça va être, donc vous pouvez mettre dans un dossier, en DDD, y mettre dans application, en hexagonal architecture aussi, prenez l'archi que vous voulez, peu importe. Et toutes ces classes-là, vous dites, OK, celle-là, c'est mon besoin public. C'est ce que je contractualise, c'est mon module. Je dis, mon module, il dit, OK, moi, je vous permets de faire ça. En échange, tout le reste, pas touche. Ce qui veut dire que quand vous avez des besoins de refactoring, là ici, vous êtes en sécurité. Vous pouvez itérer autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Personne n'y touchera. Du coup, c'est vachement plus simple. Vous pouvez continuer à proposer un contrat tout en faisant évoluer votre module, parce que forcément, ça va évoluer. Il y aura des nouveaux besoins. Et si vous avez des nouveaux besoins d'ouverture, vous pourrez rajouter une classe d'ouverture. Simple, basique. Un exemple. Ah, un exemple. Donc, on reste sur notre paiement et notre basket. Donc, notre module paiement propose une méthode pay, tout simplement. Hein, je vous laisse. Donc, avec un integer en entrée. Notre basket, quand on l'a développé, on a dit, ouais, ça serait bien de faire un checkout sur le basket, parce qu'un panier, au bout d'un moment, il faut payer, quoi. On s'est dit que c'était quand même un petit peu hors scope. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le module paiement à côté qu'il propose. On le prend. On a fait notre petite interface qui contractualise notre besoin et on l'implémente en y injectant le paiement service. En image, donc super basique, j'ai fait au plus simple, donc prenez pas le code pour le. Juste, c'est un exemple. Donc vous voyez, c'est l'implémentation d'une interface de basket. On est toujours dans basket, donc moi je mets un petit dossier infra parce que j'aime bien. Et dedans, j'y injecte mon paiement service, tout simplement. Et c'est mon module public, c'est mon service public de mon module paiement. Et là, deuxième grande règle, le mot est tout petit, c'est dommage. Il faut faire quelque chose qui est en fait la pierre angulaire. Il faut faire ce qu'on appelle, alors attention, le mot est pourri, ça s'appelle un ACL, ça s'appelle un anti-corruption layer, d'après Eric Evans dans le Blue Book.
Ça a l'air de rien, mais c'est en fait la base de tout. Parce que là, résulte, c'est un objet de mon paiement. Mais moi, je veux surtout, surtout, si vous avez tous suivi, je veux surtout pas m'en servir dans mon basket. Si je m'en sers dans mon basket, ça ruisselle. Et finalement, tout ce que j'ai critiqué au début, j'ai exactement le même problème. Il faut que ça s'arrête ici, là, tout de suite, maintenant. Je mets une frontière. Et du coup, un ACL, c'est ça, c'est juste un mapping. On va lire le résultat de notre service tiers, donc du paiement, et on va s'en servir ici, maintenant, pour retourner un objet à nous. Un mapping. Un ACL, c'est juste ça. Mais en fait, on pourrait peut-être faire même encore mieux. Parce que si, au lieu de retourner un objet, on retournerait du JSON. Parce que, breaking news, il n'y a pas besoin de faire du HTTP pour retourner du JSON. Donc imaginons que notre paiement service, il retourne du JSON. OK. Du coup, on a notre meilleur décodeur Symfony. Merci Symfony. On pourrait même utiliser directement un serializer, parce que là, j'ai fait en mode tranquille, très simple. Mais si vous retournez un plus gros objet, vous faites votre mapping directement avec le serializer. Et là, il n'y a même plus le risque de devoir... Ça reste un ACL, ça reste un anticorruption layer, mais il n'y a même plus besoin d'avoir le risque d'utiliser un objet externe. Donc là, il y en a qui ont suivi et qui se disent « Ouais, mais là, on a dit exactement tout à l'heure qu'on ne voulait pas d'appel, tu fais un appel, la CI, elle est rouge, là. » Ouais. Heureusement, quand même, DepTrack avait prévu le coup. Donc là, il y a plusieurs façons d'appréhender la chose. Moi, j'aime beaucoup celle-là, c'est d'utiliser Skip Violation. Parce qu'en fait, vous dites explicitement via une whitelist, vous whitelistez en fait vos dépendances, tout simplement. Donc là, je dis que dans mon paiement module gateway, oui, tu peux utiliser paiement service alors qu'il est dans un autre module. Du coup, c'est dependency whitelist gratuite. Si demain, vous voulez faire un schéma de dépendance, vous avez tout ici. C'est cadeau, c'est offert par DepTrack. Ça, c'est la pierre angulaire d'une archi modulaire pour moi. Et c'est là où je me suis dit, ouais, OK. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin encore? Parce que finalement, demain, on peut se dire qu'on ouais, on a notre monolithe, ça tourne, ça commence à aller en prod, et là, on a un besoin, il y en a un des modules, bah ouais, là, il nous faut un microservice. Il nous le faut, on a un problème de perf, ou alors on a besoin de faire un déploiement séparé, parce qu'on le déploie tout 10 fois par jour, et rebooter le monolithe à chaque fois, ça saoule les DevOps. Eh bah ouais, et bah là, du coup, vous avez une migration microservice clé en main. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre dossier de votre SRC, vous le mettez dans votre nouveau microservice, vous faites le petit glue code qui manque, bien sûr, et là, maintenant, vous n'avez plus qu'à remplacer à l'intérieur de votre monolithe votre implémentation qui utilisait paiement service et maintenant qui utilisera HTTP client, par exemple, pour faire l'appel au microservice. Simple, basique. Et comme ça, vous pouvez aller juste continuer à l'avoir votre monolithe, en fait, finalement. Vous pouvez continuer à l'avoir tant qu'il fait le boulot. Et dès que vous avez un nouveau besoin, vous pouvez faire comme ça. Du coup, vous avez tous les avantages de votre monolithe pendant le temps qu'il a fallu. Et le jour où vous avez eu un des avantages des microservices, eh ben vous avez pu passer directement sur le microservice et pas vous casser les dents dès le début sur les microservices. Et du coup, maintenant, on se dit « Ouais, mais on peut peut-être faire encore mieux. » On peut se dire « Merci Symfony, par exemple. » Parce que depuis Symfony 4, on peut faire des choses vachement plus cool avec la configuration, et en particulier tout ce qui est injection de dépendance. Imaginez, là, vous avez récupéré le code, mais des fois, il y a plus que du code, on le sait tous. Il y a potentiellement du routing, il y a potentiellement peut-être un setup de service YAML un peu précis, où l'auto-wire, même s'il fait un super boulot, il n'est peut-être pas suffisant. Et là, pour aller l'extraire dans votre gros service YAML, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, Symfony, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc là, c'est le kernel. Ouais, c'est le kernel. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ces deux lignes-là. Ce qu'on a fait, c'est que là, c'est Flex qui rajoute ces petits packages. En fait, on a copié exactement ce que fait Flex. On a remplacé par module parce qu'on a décidé que c'était module pour nous. Et du coup, on va séparer dans module. On va faire un dossier pour tous nos services et y mettre la conf dédiée à ce service. On fait pareil pour le routing. Du coup, en image,
Bah, ça donne ça. Et au lieu d'avoir un gros service YAML, un gros routing, on se retrouve avec un split des deux côtés. Donc maintenant, quand vous voulez migrer un microservice, vous prenez votre SRC, vous prenez votre dossier là, le dossier là, et vous avez votre microservice sans effort, quasiment. Si ce n'est à choisir la techno qu'il y aura autour. En résumé, un monolithe, c'est pas si fou pour le garder sous contrôle. Il y a deux règles à respecter. Il faut contractualiser les appels intermodules et il faut absolument utiliser un anti-corruption layer pour passer d'un module à un autre. Et si vous faites ça, je suis sûr que vous pourrez être fier de votre monolithe. Et dans des réunions comme ça, vous pourrez dire « Ouais, mais moi, j'ai un monolithe. » Merci. Ben oui, on a du temps pour des questions, si vous voulez des questions. J'étais là, je fais « Vas-y Nicolas, à toi. » Je suis dispo aussi après, si vous avez peur de poser des questions là, ou si vous en avez pas. Posez-lui des questions, parce que ça, il va être triste. Non. Il a bien bossé quand même. Non. Mais si. C'était trop clair. Je savais que j'aurais dû faire des trucs moins clairs. Qui a une question ? Oui. Jamais, merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous placeriez aussi tout ce qui est modèle, vue et autres dans ces modules-là ? Ouais, nous on le fait, j'avoue que c'est moins simple de faire quelque chose de... En fait, en gros, le dossier template de Symfony n'a aucune limite, donc nous on les sépare effectivement déjà en arbo, mais il n'y a rien à faire, on va dire. Donc c'est pas dans le sujet, mais tout à fait. On fait aussi ça pour les templates, on fait ça pour les translations. En fait, on applique ce concept de module partout, ce qui fait que demain, on n'a pas encore le besoin, mais si demain on veut le faire, on peut le faire. J'en ai une. Merci pour ta conf déjà, Timothée, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, c'est comment tu fais si dans ta couche modèle, pour le coup, donc t'as des, on va imaginer des entités doctrines, si tu as une entité doctrine qui... On prend un exemple, hein. Exemple. Voilà. Tu as une entité doctrine dans le mapping, tu as une valeur, une propriété ou quoi que ce soit, qui est une information qui provient d'un autre module. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais pas un objet, tu stockes quoi ? Une clé primaire ? Comment tu fais ? Une clé primaire, très certainement. Je fais ni un objet en tout cas, et de base, une clé primaire, pas plus. Pas plus. Même pas. Si je fais un value object, je fais un value object qui est dans mon module actuellement, qui représente la donnée à distance, mais je le laisse à l'intérieur. Parce que demain, si on le bouge, ça sera pareil. Ce qu'il faut que quand on bouge, on ne change quasiment rien au code. On en garde pour Nicolas et Symfony 5, je comprends. Pas d'autres questions ? Allez. C'est bon. Merci, Tim. Merci.